Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur God of War Ragnarok pour voir où trouver la quatrième putain de ruche que j'ai mis 35 minutes à trouver, ok, à Jotunheim, dans la grotte qui s'appelle Dolin Didi. C'est pour la quête Sanctuaire Divin, il me semble. Et du coup, regardez où je suis, il faut prendre des repères. Normalement, il y a une salle que vous pouvez très difficilement louper. Quand vous tournez en rond, il y a une grande salle avec un truc rouge qui brille de mille feux. C'est le centre de la mine. Ok? Donc regardez. Quand vous vous mettez en face de ce bordel, là, le truc rouge, pour aller là où je suis, vous devez voir le pont là. Ok? Il y a un pont. Vous vous dirigez vers le pont. Et dans ce chemin, regardez, il y a un petit élément intéressant. Il y a un bâton en L. D'accord? Avec une corde. D'accord? Ce sont ces deux éléments que vous devez voir pour vous retrouver dans ce bordel. On va devoir aller là-haut. Ok? Donc là, suivez bien mon personnage, je vais rien dire. N'hésitez pas à faire plein de pauses. C'est un peu le bordel. Et là, regardez, en fait, juste ici, il y avait des lucioles jaunes qui commençaient à apparaître. D'accord? Et dans ce trou, il faut tirer avec la flèche de Trélus. Mais pas avec la flèche chargée. Sinon, regardez, ça marche pas. D'accord? Donc il faut faire une flèche normale. Pouit! Et ça pète. Et ensuite, vous pouvez aller chercher la quatrième ruche. Et là, tac, on a pété la ruche, le sanctuaire perdu, pas le sanctuaire Je crois divin. que c'était le dernier. Et maintenant, vous devez retourner dans la pièce où il y a le truc rouge qui brille, d'accord? Et normalement, vous devriez voir un petit trou, c'est la grotte pour sortir. Donc, il y a un petit trou pour sortir de cette mine. Ce trou, il est dans la salle avec le gros truc rouge qui brille du début, ok? Qui était là. Donc là, il y a le truc rouge, je crois que le trou, il est par là, ok? En tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee, ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!